mais n'avait pas su concrétiser. Alors, il va falloir d'abord souhaiter qu'on ait les mêmes occasions aujourd'hui et qu'on arrive à les concrétiser. Alors que là, les joueurs et les officiels sont donc en train de faire leur entrée sur le terrain. Le Togo qui va jouer dans ses couleurs habituelles. Maillot jaune, short jaune, bas jaune. Les Guinéens qui sont en maillot blanc, short blanc et bas blanc. Avant donc le début de la cérémonie protocolaire et avec la complicité de la technique, nous allons passer à la présentation des deux équipes. Voilà le camp togolais dans les goals. On ne change pas un goal qui fait bien. Donc ce soir, Tsagnilé a fait confiance à Nguissa. Au 4, Adebayor Chéhi, il est le capitaine. D'abord au niveau de la défense, on aura une défense à 4, Amevo, Akako, Djemda Konam et Donou. Pour la défense, en milieu de terrain, on aura 5 joueurs, un milieu de terrain bien touffu, j'allais dire, avec Sebefia, titularisé pour la première fois depuis le début de cette éliminatoire. Devant cette défense, il y aura également un certain Roi Kolibousadat, Fred Haïté de Sévi, qui va faire son premier match officiel avec les éprouvés du Togo. Il a désormais ses papiers, il peut jouer avec le Togo, donc il va jouer dans quelques instants. Il y aura également Serge Gakpé de l'autre côté. Et devant, en pointe, il y aura Adebayor. Ça, c'est la disposition sur le terrain. On verra par rapport à l'animation du match. Il pourra se transformer. Cette stratégie, elle pourra se transformer en 4-4-2. Et les hymnes nationaux. Avec la complicité de la technique. Voilà, merci. Donc dans les perches, on aura Yatara Moussa en défense, il y a Kamara, il y a Poba, il y a Sila, et puis il y aura donc Cissé. Au milieu de terrain, Conte, Ibrahim, Bode, Fofana, Keita, et puis en attaque, trois attaquants, Souma, il y aura Traoré, il y aura également Sile et Sila. Souma Seyouba, Sila Idrissa, et puis donc Traoré donc qui est le capitaine de cette formation. La Guinée qui va évoluer donc dans un système 4-3-3. Nous rappelons que ce n'est que sur le papier. Maintenant, quant à l'animation de jeu, tout dépendra des coachs. Les Guinéens qui posent donc pour les photographes. Et le Togo avec un maillot jaune. Un nouveau maillot jaune, j'allais dire. Et le public, il n'est pas plein, le stade de Kégé Kodama. Mais il faut dire quand même que le public s'est déplacé
ouais, lors du match face à l'Ouganda. Oui, effectivement, Fred, le public a fait nombreux déplacements du stade de Kégué pour suivre donc ce dernier match des Éperviers. Un match qui va donc les opposer au Sélection National de la Guinée. Alors, au niveau des remplaçants, nous avons Agassa Kossi, le numéro 16, Romain Dobé, Aïté Moukou, Alban Saba, Abraham Kamadi, le coach c'est Janine Tchaka. Voilà donc les remplaçants du côté togolais, alors que dans le rond central, le tour s'est fait. Le capitaine et les officiels du match qui vont poser donc pour la photo. Je vous rappelle que les arbitres, ils nous viennent de la Tunisie. L'arbitre a prononcé le match, j'ai dit. Premier assistant Yamen Melouchi. Deuxième assistant Mohsen Ben Salem. Le quatrième officiel, il s'appelle Nasrallah Jouadi, il vient également de la Tunisie. Le commissaire au match, Ndoumbou Dieudonné. Alors que du côté de la Guinée, on aura comme remplaçant au 6 Zayat, au 10 Bangoura, Yatara au 2, 14 Kamara, Landel 7, 9 Paye et puis au 16 Keita, le coach guinéen, c'est le français Michel Sueur. Voilà donc le décor qui est planté ici. Et Seyi Adebayo qui va bien redresser ses sous-vêtements pour le début de cette rencontre. Voilà. Et les Togolais qui font le rang au niveau du rang central, si je peux me répéter. On salue donc le public, voilà qui est fait. Alors les officiels, vous les voyez là, donc on parle de Sylvie Guédidi, de la Tunisie, de Yamen Melouchi et de Mohsen Ben Salem. Ils nous viennent donc de la Tunisie. La Tunisie qui s'est qualifiée hier après son nul et blanc face au boutonnage de rugby partout. Nous voyons là le banc togolais avec Agassa, avec Mama Gafa, avec Romain Dobé et Alban. Il y a également Jonathan, Abraham Kamaldine, Mouakou Martin et Mama Gafa. Alors le coup d'envoi qui sera donc donné dans quelques instants. Comme on le disait donc à début de la transmission, il va falloir impérativement gagner ici. Le banc guinéen. Il est 15h30 et dépassé, en principe on devrait commencer avec quelques petits problèmes et ça ne saurait tarder. L'engagement qui va être guinéen. Le goal togolais Nguissan Yao qui a fait une très belle partie le mois dernier face à l'Ouganda ici. Et il aura la lourde responsabilité de ne rien laisser passer. Quelques petits réglages avant le début de cette rencontre. Cinquième et avant-dernière journée donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée-Équatoriale 2015, et le public de Kégué qui attend. Mais ce soir, cet après-midi, il va falloir supporter jusqu'au coup de sifflet final, parce que ce match, il sera difficile. On sait que la Guinée est une équipe joueuse, très joueuse j'allais dire, et il reviendra au Togo de proposer le jeu et de ne pas attendre derrière comme on l'a fait face à l'Ouganda. Il faudra jouer, il faudra provoquer, il faudra surtout ne pas laisser le ballon à ces Guinéens. Ils aiment bien avoir le cuir et il ne faudrait donc pas qu'on leur laisse la possibilité de contrôler cette rencontre. Alors,
On attend. On attend Feu d'Haïté qui se met encore les lacets, les chaussettes là-bas. Il y a également Serge Gakpé. Ils sont fin prêts et on va commencer d'un instant à l'autre. Les Guinéens qui sont impatients donc de donner le coup d'envoi. J'espère qu'ils feront au moins trois engagements aujourd'hui, en dehors du premier qui est traditionnel et classique. Voilà, tout est fin prêt. Et sur la balle, nous avons Conté Sori et le coup d'envoi qui est donné ici au stade de Togo. Et c'est parti donc avec les Guinéens et Pova Florentin, le frère de l'autre. Ballon récupéré dans le rond central par Serge Gakpé. Qui essaie de lancer de sa vie au plus avec la défense guinéenne. Et on va solliciter Yatara Moussa. Ballon perdu. Ça va être un lanceur de touche au profit des éperviers. Donou Kokou, le joueur de Maranatha. Pour un adversaire. Et les Guinéens qui vont repartir. De contre-attaquer, Conté pour un partenaire. Les Guinéens qui construisent depuis leur base. Longue balle dans la défense togolaise. La tête de Serge Akako. Le ballon pour l'attaque guinéenne. Sila Idrissa, ballon perdu. Feu d'Haïté. Il va essayer de trouver Sieyi de la poitrine. Et puis avec la défense guinéenne, Sehi Adebayo, il avait raté beaucoup d'occasions au match aller. Sehi, il ne pourra pas frapper. Et la défense guinéenne qui essaie de se dégager. Ballon dans le rang central pour les Blancs. Gendakounan, au plus avec ce joueur guinéen. Et ça va être un coup franc au profit de Souma Seydouba. Rapidement joué. Attention à ce joueur guinéen. Nous l'avons dit, ils aiment bien avoir le ballon. La première frappe, elle est contrée. Et premier corner. Au profit du Sili National, Claude Ama. Premier corps donc au profit du Sili National, alors que nous jouons pratiquement 2 minutes de jeu. Et ça va partir sur le corner guinéen. Il n'y a pas eu de rond d'observation. La partie s'est rapidement lancée. Et ce sont les Guinéens. Le corner guinéen par Souma Seydouba. Le corner est parti. La défense togolaise qui se dégage. On tente de trouver Gapé Serge. Il a bien joué. Bien vu, qu'est-ce qu'il va faire? La frappe à Alfred. Alfred, on n'a pas passé loin de l'ouverture du score. Première chaude alerte dans le camp guinéen. Ça s'est joué rapidement après ce corner envoyé par la défense togolaise. Les Togolais qui se sont retrouvés dans la défense guinéenne mais qui n'ont pas pu concrétiser. Et les Guinéens qui repartent. Le ballon va voler d'un camp à un autre. Attention de l'autre côté. Le centre à venir. La tête de Roi Koriko Sadat. Et qui se méfie à Prince. Il va récupérer de la tête. Voilà qui est fait. Se méfie à, il retrouve un partenaire. Serge Gakpé pour Gendakounan. Gené pour Sehi Adebayo. Sehi devancé. Il faut pas attendre le ballon Sehi. Sehi qui va récupérer. Voilà qui est fait. Au plus avec toute la défense guinéenne. Sehi trouvé en profondeur. Il y avait une position. Non, il n'y a rien là-bas. Et les autres vont se poursuivre. Dossé Vitoma. Mathieu Thomas, j'allais dire. Tout service, c'est le grand frère. Serge Akako. On revient carrément derrière pour le Togo. Voilà en profondeur. Serge Gakpé, de la poitrine pour Floyd. Floyd pour Serge. Ça joue bien. Gakpé dans la surface de réparation. Il va bénéficier d'un corner. Le ballon qui est sorti, ça va être donc un premier corner pour le Togo. Et le public qui accompagne donc cette belle faille de jeu. Il faudra le faire jusqu'au bout de la finale.
va falloir supporter ces joueurs de la première jusqu'à la 90e minute. Et sur le corner, Serge Dacré, le joueur de Nantes. On est parti directement dans les gants de Yatara Moussa. Il se dégage aussitôt. Attention à la contre-attaque. De l'autre côté, il est au plus avec le Togolais. Sergi Akako. Celui-là même qui nous avait donné la victoire face à l'Ouganda. Le jour de son anniversaire. Directement pour les gants de Yatara Moussa. Il va temporiser. Calmer un peu tout le monde. Et se dégage. La touche pour le Syrie national. Rapidement effectué. Conté, Souris à la surface de réparation. Donou, la frappe. La frappe de Traoré Ibrahima. Qui est passé donc très loin de la cage. Et Indissa qui va retrouver Ouro Akoriko Sadat. Serge Akako. Les Togolais, c'est Goufia, il ne pourra pas, ballon récupéré par les Guinéens. Ils vont essayer de se porter dans les camps Togolais, attention. Et Indissa. Pour Donou. On va voir Mauna. Et trouver sa date. Serge Gakwe. Serge Akako. Adebayo. C'est Adebayo. On va trouver un partenaire. Floyd Haïté. Il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas de position hors jeu. Le Togo qui a la chance. Gakwe qui n'a pas cadré sa frappe. C'est une occasion de gâcher pour le Togo. Après 7 minutes, deux occasions de but pour le Togo. Aucune n'est allée au fond. Oui, Alfred, il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Ce sont des occasions qui arrivent rarement, donc il ne faut pas les rater, il faut les mettre au fond. Deux occasions de rater pour le Togo. Le gars. Nous avons vu cette occasion donc ratée. Le Serge Gakwe, il récupère. Il va tenter de trouver Adebayo. Ils sont les Guinéens. Ils vont tenter de repartir. Les Guinéens, la bataille en milieu de terrain sera remportée par les Guinéens. Les Guinéens qui repartent. On tente de trouver Condé. Ça repart toujours du côté des Guinéens. Attention dans ce point de réparation togolaise. Heureusement. Mais c'est pas fini. La frappe. Et la défense togolaise se dégage. On a tenté de trouver Akako Serge. On l'a dit, ces joueurs sont c'est une équipe joueuse. Il va falloir être vigilant dans la défense togolaise. Et ça va être un dégagement en 5m50. Déjà 9 minutes de jouer ici au stade de Tégué. 0 pour les Éperviers. 0 pour le Syrie national. Je rappelle que toujours dans ce groupe, l'Ouganda a battu il n'y a pas très longtemps les Blastars du Ghana. Et l'Ouganda qui se retrouve donc en deuxième position avec 7 points. Et pour le Togo, ça ne change pas grand chose. Il va falloir à tout prix gagner. La touche. Thank you.
Ballon dans le rang central. Attention à ce faux rythme imposé par les Guinéens. La partie, la frappe. Ah, des problèmes de réglage dans la défense togolaise. Il va falloir faire attention à ces ballons en profondeur. Ils sont vite passés, ces Guinéens. Heureusement que la frappe n'était pas cadrée. La défense togolaise qui, pour le moment, a des petits soucis. Dakpé, il n'y a pas faute, indique l'arbitre. Il faut jouer. Les Guinéens qui se font, qui deviennent incisifs. Alors là, ils commencent par asseoir leur jeu, les Guinéens. Floyd qui ne pourra pas récupérer. Pogba, Florentin, pour un partenaire de l'autre côté. Ils vont arriver dans la défense togolaise. Chez Adebayo. Compte favorable pour la Guinée. Le centre à venir. Le centre qui est parti. Les Guinéens toujours. Attention. Oura Koriko Sadat qui va se dégager. Yenda Kounan pour Serge Gakpé. La contre-attaque dans le camp togolais. Est-ce qu'il pourra récupérer? Non. Et ça va être rentré de touche au profit du Sili National qui commence par prendre de l'ascendance dans le jeu. Les Guinéens qui vont repartir. Conte Sori pour un partenaire. Keita Nabi. Keita de l'autre côté, un partenaire. Souma Seydouba. Le ballon lui revient, Souma Seydouba, il gagne du terrain, il gagne quelques centimètres, cette Guinée. Ça va. Amevo, il va attendre du soutien. Il va trouver un partenaire. Ballon toujours togolais. De sa vie, pour jouer pour Floyd. Floyd Aïté, il temporise pour Serge Gakpé. C'est plutôt Sebefia qui retourne Serge Gakpé. Sebefia. Et ça va être donc une rentrée de touche au profit des épargnés du Togo. Sebefia presse. Prince Bofia, là-bas sur le flanc, il va retrouver Serge Gakpé. Le centre pour Chéhi dans la surface de réparation. Chéhi, attention de nous, il avait marqué en Ouganda. S'il peut nous refaire la même chose aujourd'hui, on ne demanderait pas mieux. Le centre à venir, Chéhi, la tête de Chéhi. Le ballon n'est pas allé au fond. Et ce goal, il y a Taramoussa. Il a recommencé par nous faire toutes les misères du monde comme il l'a fait à Casablanca. Les Guinéens sont dans le camp togolais. Attention à cette balle en profondeur. Et ça va être donc un dégagement à 5m50. Alors que Chéhi Adebayo de l'autre côté. Voilà, il va revenir. On l'avait cru un peu blessé sur cette action. Il finira par trouver la faille, c'est Adebayo. Et les Togolais qui vont repartir. Amevo Mauna pour Oura Koriko Sadat. Sadat, attention à ne pas perdre ce ballon. Oura Koriko Sadat de la tête pour un adversaire. Ça ne bouge pas beaucoup dans le camp togolais. Yenda Kounan. Yenda Kounan aux prises avec ce Conte. Il est très bon ce Conte Sori. Il va retrouver un partenaire de l'autre côté. Conte Sori. Alors pour qui? On va essayer de trouver un partenaire. Keita Nabi. Keita Nabi. Pour un partenaire. Et c'est Jakako. Qui va essayer de retrouver Floyd Aïté. Mauvaise passe de Floyd Aïté. Pour la défense. Les Guinéennes, Pogba Florent, pour notre partenaire. Ils jouent très haut, les Guinéens. Ils sont pratiquement à la lisière dans le rond central. Et c'est Jakako qui s'interpose et qui va se dégager directement pour la tête d'un adversaire. On envoie beaucoup trop vite les ballons. Et ça nous revient aussi beaucoup vite. Les Guinéens, Traoré Ibrahima, il ne pourra pas passer.
Et Sebofia va trouver donc Sadat. Sadat pour Sebofia. Longue balle. Un tour de sa vie. Il ne pourra pas récupérer. Et puis avec la défense de sa vie. Chéhi, il va trébucher. Il s'est relevé. Mais il ne pourra pas récupérer. Floyd Haïté, ça joue un peu trop mou dans le camp togolais. Il va falloir être beaucoup plus vite que ça. Et les Guinéens, ils sont en surnombre dans la défense. Sadat, qui s'est aidé carrément de son bras. Roua Koroko Sadat. Ils sont très vifs, ces Guinéens. Et il va falloir être très vigilant dans le camp togolais. La tâche ne sera pas facile. On le savait, on savait également que ce match allait être difficile. On a la confirmation 15 minutes après le coup d'envoi. 15 minutes de jouer ici au stade de Kégué. Alors que nous voyons donc ce ralenti. Et cette faute commise par Roua Koroko Sadat. Le coup franc va partir d'un instant à l'autre. Papa Florent pour le coup franc. Directement joué. Contré par le mur togolais. Floyd. Il s'est dégagé pour Florent Koba. Ballon rapidement remis au Guinéen. Le centre est encore arrivé. Attention à la sortie d'Nguessa. Nguessa, attention, il a vidé la cage. Il faut qu'il retourne le goal. Et le premier but guinéen. Le premier but guinéen ici, est-ce qu'il part Sila Idrissa? Depuis donc à la 17e minute, la Guinée mène ici au stade de Kégué par 1-0. Suite à cette action, la sortie quelque peu hasardeuse du goal, il n'a pas pu se replacer et la frappe est allée donc se loger. Et ça fait 1 pour la Guinée et 0 pour le Togo. Et ça se complique. Il va falloir marquer au moins 2 fois. À part de cet instant, si on veut gagner, parce que même un match nul n'arrange pas les affaires des Togolais ce soir. La rentrée de touche. Floyd Haïté un peu trop tendre. Sebofia pour Dinda Konan. On attend la réaction des Togolais. On avait eu le même coup face au Black Star du Ghana ici. Là, c'est vrai que c'est le Togo qui avait ouvert le score. Mais derrière, ça n'a pas été facile pour les éperviers. Avec à l'arrivée, une défaite 3-2. Et c'est les Guinéens qui ouvrent encore le score. Et un ballon de Amevo envoyé un peu n'importe comment. Ça ne joue vraiment pas bien dans le camp togolais. Il faut avoir le courage de le dire. Longue balle. De nous, le centre. Un corner concédé. Il ne s'est pas posé de questions. C'est ce qu'il fallait faire dans le camp togolais il n'y a pas très longtemps. Voilà. Le corner. Le corner est parti. La tête. Nous sommes dans le camp togolais. Ça n'ira pas au fond. Le dégagement de Yatara Moussa.
C'est Bifia pour Akaku. Chéhi revenait d'une position irrégulière. Et les Guinéens qui ont donc ouvert le score là, par Sila Idrissa depuis la 17e minute. Et à cet instant précis, la Guinée a 7 points, tout comme l'Ouganda. À cet instant précis, le Togo est 4e, le Ghana est en tête avec 8 points, 2e. Ouganda 7 points, 3e Guinée 7 points et 4e Togo 6 points. La rentrée de touche, la tête de Chéhi pour la défense guinéenne. Dakpé et le dégagement. Sadat, est-ce qu'il pourra récupérer? Voilà qui est fait, il attend du soutien. Il va retrouver un partenaire de sa vie. Il faut centrer de Sévi qui va s'enfermer, le centre est venu, la tête, Floyd Ayité, Floyd, il fallait frapper, pourquoi pas la reprise, pourquoi Floyd Ayité a voulu contrer encore ce ballon alors qu'il pouvait la reprendre, la touche est togolaise, c'est Akaku, il va retrouver Segoufia, alors qu'il y a un joueur guinéen là, qui a été touché sur l'action précédente. C'est vrai que s'ils ont les moyens, ils vont tuer le temps et ils mènent déjà au score. Une victoire qui va rapidement les relancer. Ils vont passer de la 4e à la 3e place. C'est vrai, les rencontres entre la Guinée et le Togo ont toujours été difficiles pour le Togo. Mais cet après-midi, il va falloir gagner à tout prix, même si pour le moment, ça ne semble pas marcher comme on le souhaitait. Et c'est la Guinée qui est devant. Le jeu qui va reprendre ici, la touche et le ballon qui est remis au Togolais. Et ça va être une nouvelle entrée de touche. Donc nous, mauvais dosage. Et ça va être une entrée de touche. Le jeu qui a baissé d'intensité et c'est aux Togolais de faire le match. Et pour le moment, ils ne le font pas. Et ça arrange la Guinée qui mène au score. Ça date. Clairement pour la défense et pour le goal, Yatara Moussa. Dégagement de Yatara Moussa, la tête de Amévo pour un adversaire, et voilà Dalma, voilà, on est passé à côté du deuxième but de la correctionnelle. À ce rythme, cette rencontre va être interdite au cardiaque. On revient au ralenti, c'est Akaku. Et le joueur guinéen qui n'a pas bien frappé, heureusement pour lui qu'il n'a pas retrouvé son pied au moment de la frappe. Et ça va être néanmoins un corner pour le Sili National
Souma Seydouba qui n'a pas retrouvé le bon pied. Le corner est rapide et directement pour Nguissan Yao. Et la relance, la relance, la relance. Et les Guinéens qui se sont réinstallés, la preuve, c'est eux qui font de la récupération sur cette balle. Il va falloir que l'entraîneur Tchangile Takala revoie son dispositif sur le terrain parce que pour le moment, ça ne marche pas pour le Togo. Le Togo subit, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et c'est la Guinée qui fait le match. Et voilà encore les Guinéens. Souma, attention, ça date, la frappe à venir. Et c'était un but, heureusement qu'on a sifflé. Et le goal Nguissan aussi, qui apparemment n'est pas bien cet après-midi, il faut le constater. Même si on avait sifflé, il aurait pu prendre ce ballon s'il était bien en place. Et les Guinéens, très à l'aise, sur la pelouse de Kégué. Va construire et Sadat qui est obligé. Attention, la prochaine fois il prendra sûrement un carton jaune Sadat parce qu'il a déjà fait, il a déjà commis deux ou trois grosses fautes. La partie momentanément arrêtée pour permettre donc aux soigneurs de s'occuper de ce joueur guinéen. Ballon dans le camp togolais, le Sili national en attaque, Yenda Konan, il va bénéficier d'un coup franc, il va retrouver Seydia Kako. Seydia Kako pour Uroa Kouroko Sadat. Yenda Konan, ça joue arrêté, de Sebi, on revient carrément derrière. C'est des signes qu'on a des difficultés pour percer cette défense guinéenne. Floyd. Floyd pour Sedakwe. Sebefia, Prince. Prince Sebefia pour Sedakwe. Et Sebefia qui perd le ballon. Et ça va être un tour de touche au profit des éperviers. Il faut rehausser un peu le rythme de la partie. C'est le Servi qui n'a pas pu récupérer retrouver son capitaine et les Guinéens qui vont repartir. On va soulever Améba au prix avec ce joueur guinéen. Le centre est venu. Sadat et Akako qui va se dégager. Allons rapidement remis au Guinéen, Florent Pogba. Pour un partenaire. Attention. Euro à Kourikou Sadat touché sur cette action. Au ralenti cette action. Et Sadat
qui apparemment, ouais, il a été touché par Nguissan. Partie qui va reprendre et la rentrée de touche. Pour le Syrie national. Le ballon qui est remis donc à Nguissan Yao qui va essayer de relancer l'équipe togolaise. Mené donc depuis la 16e minute. C'est difficile. La touche au profit du Syrie national. Nouvelle touche, cette fois-ci au profit des éperviers. Prince Ebefia, Prouro Akoriko Sadat, qui va essayer de retrouver Amevor Mauna. Mais bon, on s'est retrouvé chez lui. Ils sont les premiers sur toutes les balles, les Guinéens. Les balles qui vont remonter. Attention. Ça va être rentré de touche. Le servi de nous. Et ça va être un tour de touche pour le Syrie national de la Guinée-Conakry. Et quand ça se passe comme ça, même le public ne supporte pas, il est mieux. En principe, c'est maintenant qu'il faut supporter les éperviers. Parce qu'ils sont en difficulté. C'est gâté pour Chéhi. Chéhi ne pourra pas récupérer. Et c'est un pénalty. Penalty pour le Togo sur cette action que nous avons. J.I. qui s'est bien battu là-bas et qui filait donc droit vers le but, irrégulièrement arrêté, et c'est un penalty. Penalty donc pour les éperviers qui ont l'occasion de revenir au score. Penalty pour le Togo qui va le tirer, on le saura dans quelques instants. Il y a donc sur la balle, il y a Serge Gakpé, il y a également Floyd Haïté. Parce que c'est Floyd Haïté qui va tirer. Et le pénalty.
penalty est raté. Le penalty raté par Floyd Haïté. Et le Togo qui n'a pas pu égaliser. Et ça se complique davantage. Floyd Haïté qui a mis le ballon dans les nuages. Le jeu qui va se reprendre ici, c'est Bofia pour la défense guinéenne. Le Togo qui avait l'occasion de revenir au score, occasion gâchée sur ce penalty raté par Floyd. La partie qui va se poursuivre. Ballon pour les Guinéens. Attention, la frappe a venu au-dessus. La touche pour les éperviers qui ont pris un coup derrière la tête pour ne pas dire deux coups, mené au score, pénalty raté. Il fallait égaliser avant la pause. C'est vrai qu'il reste encore un peu de temps et que rien n'est perdu. La touche pour Seck Bofia, rapidement effectuée. C'est Toué, Gakpé. Sur le côté, et la, le centre est venu. Donou n'a pas pu récupérer. Donou, il n'y a pas faute. Et il y a faute. Voilà, il y a effectivement faute. Thomas Mathieu de Sévi pour le coup franc. Le franc est parti. Ça date qui n'a pas pu reprendre. Ça va être un dégagement à 5,50 m. La tête de Sadat, Gakpé, Floyd, Bourchei, ballon pour les Blancs. Alors, il était libre dans le rang central, attention à la contre-attaque, le Golinguissan qui est sorti. Et voilà le deuxième but togolais, le deuxième but guinéen, j'allais dire.
2-0 donc ici au stade de Kégué. Vous ne rêvez pas. C'est bien la Guinée qui mène. Et les Togolais obligés de marquer à trois reprises. Gapé, on va bénéficier du retour de tous. Donc balle d'Amévo, la tête de cette défense guinéenne. C'est Gofia pour Gapé. Gapé qui va bénéficier du retour de tous. Le ballon n'est pas sorti, Floyd Haïté. Il n'y a personne pour reprendre cette balle. La touche, Sebofia presse. Genda Konan pour Sebofia. Il retrouve Genda Konan. Sadat. Sadat pour Akako. Voilà qui perd le ballon et la contre-attaque. Il sort encore le goal. Le voilà qui commence encore par sortir Nguissan. Il n'est plus dans son match. Il n'est plus dans son match. Et pourquoi ne pas le remplacer? Parce que là, il doit se poser beaucoup de questions dans sa tête. C'est un jeune gardien. Il n'a pas l'espérance de ses compétitions. Et quand on prend deux buts, comme il les a pris, il doit être en train de se poser des questions. Et il ne serait pas injuste de le remplacer. Alors que Akuriko Sadat, qui tentait de retrouver Chehi, a plutôt retrouvé le goal Yatara Moussa. Le dégagement de Yatara Moussa. Les Guinéens qui en plus de mener au score font le spectacle. Serge Gakpé, quel contrôle pour Serge Gakpé. Ballon perdu. Et le goal Yatara Moussa qui se dégage pour la poitrine des partenaires dans le rond central. Très agile ces joueurs guinéens. Genda Konan pour Floyd Haïté. Floyd Haïté, il ne trouve pas de partenaire. Il essaie de passer en force. Il va bénéficier d'un coup franc. Fofana Boubaka qui a utilisé la manière forte pour stopper Floyd Haïté. On revoit au ralenti. Et c'est Serge Gakpé qui va jouer le coup franc. Le ballon est parti directement. Ça a été mal frappé. Il allait directement dans les gants de Yatara Moussa. Il va se dégager. Genda Konan. Oui, tout à fait. J'ai revenu d'une position hors jeu. On a traîné un peu pour revenir. Et voilà. On revoit donc le coup franc de Serge Gakpé. Directement dans les gants de Yatara Moussa. La touche. Ballon pour les Guinéens. Amévo qui a poussé un peu. Voilà.
Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Nous jouons la 45e minute. Bientôt, ça va être la fin. La première partie ici, les Guinéens et Dosebi qui perdent le ballon dans le rond central. Heureusement qu'il y avait Yenda Konan. Serge Gakpé bien chassé par ce Guinéen. Et il est revenu sur le coup franc. Camara Fodé qui a commis donc une faute sur Foy Daïté. Le coup franc est déjà joué. Gakpé réduire le score avant la mi-temps, pourquoi pas. Floyd, la frappe. Et c'est un corner. C'est une belle frappe de Floyd Haïté. Que nous voyons ralentir l'action. Voilà Floyd Haïté. C'était bien frappé. Mais Yatara Moussa était sur la trajectoire. Le corner est parti. Ameva. De sa vie, il n'a pas trouvé le cadre. Donc cette frappe de Dosebi. Vraiment, ballon dans le rond central. Dernière attaque des Togolais. Floyd Haïté pour CI. CI pour Floyd. Non. Yenda Konan. Il va falloir peut-être changer de côté. C'est retrouver Sebefia. Sebefia pour Floyd. Il n'est pas hors jeu, Floyd Haïté, il va centrer. Le centre à venir, il va bénéficier d'une entrée de touche. Et c'est la mi-temps ici au stade de Kégué. 2 pour le Sili National, 0 pour les Éperviers. A tout de suite pour la deuxième mi-temps. Retour ici au stade de Kégué pour les dernières 45 minutes de ce match entre le Togo et la Guinée. Le Togo qui est mené donc depuis donc la 16e minute, alors que là il y a un changement dans le camp togolais. Ouamé Dové qui a pris la place de Mathieu Dosebi.
Les Togolais qui ont engagé et qui ont deux buts à remonter. Mission difficile. Il va falloir marquer rapidement dans le premier quart d'heure. Réduire le score. Égaliser. Et maintenant, CC a marqué un troisième but. C'est Adebayo pour Yenda Konan. Yenda Konan. Le centre est parti. La sortie de Yatara. Il a raté le ballon. Le goal du Guinée qui va faire un peu de cinéma. Ils sont devant au score. Ils ont deux buts d'avance. Partie qui est momentanément arrêtée. On le voit à l'action. La sortie. Et le public qui attend. Voilà le goal qui va se relever. Yatara Moussa qui devra reprendre donc sa place dans les cages pour la suite de la rencontre. Et les Togolais qui vont repartir. C'est Jakako pour Donou. Donou qui fait carrément la passe à un adversaire. Heureusement qu'il y avait le retour là d'un partenaire. Et les Togolais qui va la contre-attaque. Si Adebayo essaie de retrouver Serge Gakpé. Serge Gakpé. Serge pour Womé. Womé pour Serge Gakpé. Et ça va être un corner. Corner donc pour les Éperviers. On est donné au premier poteau, déviation de Saint-Gapé pour un adversaire. Et les Guinéens qui vont repartir. Par ce numéro 8, très véloce, Traoré Ibrahima. Traoré Ibrahima qui essaie de trouver un partenaire, Conté sourit. Les Guinéens sont déjà dans les camps togolais. Attention, comptez pour un partenaire. Hors-jeu. Heureusement qu'il y avait hors-jeu. Les Guinéens qui en trois passes se sont retrouvés dans les camps togolais. Alors qu'il y a un joueur togolais là. Qui semble souffrir. Devait être Seiya Kako. Donc l'action, les Guinéens, la frappe et la position irrégulière. La rentrée de tous. Ballon remis donc à la défense togolaise.
adversaire. Florent Pogba. Donc, pour un adversaire. Attention encore au Guinéen. Ça va être un corner. Alban qui va peut-être rentrer à la page de Seya Kako. Attention, ballon dans la défense togolaise. Linda Kounan, ça va revenir. Les Guinéens, le centre est parti. Sadat. Quel contrôle de Sadat. Et qui a concédé un corner. De tout ça pour les éperviers. Donou pour un adversaire, le ballon qui revient et ça va être 5m50, c'est également à 5m50. Le Togo qui joue à 10 depuis la blessure de Seya Kako. La défense guinéenne qui se dégage. Wame Dove. Le ballon n'est pas sorti. Voilà encore les Guinéens. Et ça va être rentré de tous. Donc Saba Alban Kodo va rentrer. On revoit donc sur cette action. La faute de Wame Dove. Ça va pour son premier ballon. Il le remet à la défense guinéenne. Yattara Moussa le goal pour un partenaire. Nous jouons pratiquement la 53e minute. Attention, heureusement que le portier Nguissan a anticipé. Il va donc relancer à Mebor. Roi pour Rico Sadat. Il a tenté de trouver Wame Dove. Sabalba. Donou. Serge. C'est une faute, elle cible l'arbitre. Le Togo est mené 2 buts à 0 ici au stade Okédé. Et complique donc ses chances de qualification pour cette CAN 2015. Alors qu'on revoit l'action qui a conduit à la faute. Dakoman, Wame Dove,
La tête. C'est pas fini. Et le gardien Ouattara. Le gardien Ouattara. On ne sent pas ses éperviers. On ne sent pas cette formation des éperviers. Envie de revenir au score. Et ce sont les Guinéens qui vont tenter de repartir. Attention, troisième but. Et ce serait un corner. Corner au profit des Guinéens. Et c'est le 12, Conte Sori. Conte Sori. Le corner est parti. Pas fini. Les Guinéens toujours dans la surface de vérité des éperviers. Adebayo Chéhi, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il ne pouvait absolument rien sur cette action. Et les éperviers vont repartir par Amevor. Amevor qui replie pour son portier, Saba Alba. Saba pour Amevor. Jane Dakoman, Jane. Il n'a pas su récupérer. Et ce serait quand même une touche au profit des Togolais qui sont menés, je vous le rappelle, par 2-0. Et si le score en restait là, le Togo sera le dernier du groupe E avec 6 points. Gounou qui a tenté de trouver Wame Dove. Et ce sont les Guinéens qui vont repartir. Gounou heureusement qui est revenu pour Amevor. Amevor pour Jane Dakoman. Jane. Ça joue assez facile du côté des éperviers. Et ce serait donc une faute pour le Sélé national de la Guinée. Les supporters, malgré ce score, donnent toujours de la voix. Mais la situation se complique pour les éperviers. Ils doivent marquer 3 buts. Alors que ce sont les Guinéens qui vont essayer de remonter. Ballon en profondeur. Kouroua Koroko Sadat. Jane. C'est une touche au profit des Guinéens. Floyd qui n'a pas récupéré le cul et ce sont les Guinéens qui vont repartir. Traoré Ibrahima, Traoré Ibrahima, attention, troisième but. Heureusement, heureusement pour les éperviers que Amevor est revenu. Kouroua Koroko. Kouroua Koroko pour Jane. Serge. On a tenté de trouver Adebayo Chéhi. Mais il y a eu un pied guinéen qui a dévié le cul. Les Guinéens toujours à l'abordage. Un contre un. Attention, troisième but. Eh oui. C'est pratiquement une humiliation ici. Une humiliation totale là, au stade de Kégué. Ah ouais. Une humiliation. Traoré Ibrahima qui vient d'inscrire le troisième but guinéen. Incroyable, ouais. Incroyable.
Eh oui. Les carreaux sont complètement cuits pour les éperviers. Et les Guinéens qui jubilent, normal. Ils mènent 3 buts à 0. Il y a longtemps que le Togo n'a plus encaissé ce score. Et le public qui commence par quitter le stade. Une équipe togolaise complètement méconnaissable. C'est... n'a pas su récupérer. Les Guinéens qui jouent comme à l'entraînement. Les Guinéens toujours. ...3-0 donc pour la Guinée. Voilà qui devient mission quasiment impossible. Et vivement que ce match finisse. Parce qu'à cette allure, on pourra encore encaisser des buts. La frappe. C'est pas ça qui va inquiéter le goal Yatara Moussa. Une équipe togolaise vraiment méconnaissable ce soir, cet après-midi. 3 buts encaissés au stade de Kégué par les éperviers. Il va falloir ouvrir les livres. Il va falloir aller dans les archives pour retrouver le nombre de fois que le Togo a encaissé 3 fois. 3 buts ici au stade de Kégué. 3-0. Alors qu'il y a encore beaucoup de temps et que c'est les Guinéens qui font le match et le Togo qui subit la partie. Et voilà encore les Guinéens qui essaient de construire, font du show et qui mènent largement au score. 3 buts à 0. Là, on ne voit pas comment les Togolais peuvent revenir dans cette partie. Revenir au score et chercher à gagner. D'abord, il va falloir marquer un but et sauver l'honneur. Long bas pour Serge Gakpé. Yenda Konan. Yenda Konan. Yenné. Essaie de partir. Puis avec la défense guinéenne, il trouve chez Adebayo. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Signale l'arbitre. Et la partie qui va se poursuivre par un dégagement à 5m50 pour Yatara Moussa, le goal guinéen. De Sabah, Yenda Konan, et la partie qui se poursuit, Ameva Mauna, va essayer de trouver chez Adebayo, devine pour Serge Gakpé. Serge Gakpé, Serge, ouais, il ne pourra pas passer, et il n'y aura pas faute, avec un dégagement à 5m50. Encore un Guinéen, il part de... Non, il y a là-bas, attention au quatrième but. Attention, attention. Et le quatrième but. Je vous ai
vais demander qu'on arrête cette partie. Sinon, on va prendre un panier. Faut pas avoir honte des mots. 4-0. On revoit l'action. Le Golinguissa qui rate sa sortie. Saba Alba et Ameva Mauna qui ne pourront pas empêcher ce quatrième but. Ça tourne à la correctionnelle. Claude Amar. Ouais, Alfred. Incroyable, mais ouais. 4-0. C'est pas encore fini. Une véritable humiliation ici au stade de Kégué. Les carottes sont complètement cuites donc pour les éperviers. Et qui occupe donc la dernière place. La Guinée et l'Ouganda qui se relancent donc. L'Ouganda qui avait battu. C'est la première fois que le Togo encaisse 4 buts au stade de Kégué. Et c'est sous l'air Tchagnoulé Tchakala. La double victoire face à l'Ouganda était l'arbre qui cassait la forêt. Et le Togo a été donc renvoyé à ses chères études. Et nous constatons cet après-midi que nous avons du boulot à faire avec notre équipe nationale. On a certes des joueurs, mais pour le moment, ils ne font pas encore une équipe. 4-0, c'est la première fois que ça arrive au stade de Kégué. Et nous ne sommes pas encore à la fin du match. Et les Togolais qui continuent par attaquer. Serge Gakpé, est-ce qu'il pourra centrer? Le centre est venu. Et c'est un corner. Une grosse humiliation. À 2-0, on a peut-être cru qu'on pouvait revenir. À 3, on avait un maigre espoir. Mais à 4-0, il va falloir être lucide et reconnaître que le Togo ne pourra pas gagner ce match. La Guinée qui se relance, qui va passer devant le Togo, avec en plus un bon goal à l'arbitrage. Il marque 4 ce soir, cet après-midi j'allais dire. Chéhi Adébayor pour sauver l'honneur. Chéhi. Le deuxième penalty de l'après-midi. Et pour Bois Florent. Il va prendre le carton jaune. Carton jaune pour Pogba Florent. Pogba Florentin plus précisément. Et deuxième pénalty de l'après-midi pour le Togo. On espère que celui-là ira au fond. Le premier a été raté par Fred Haïté. Le deuxième, c'est Chéhi Adébayor qui va le tirer. Chéhi Adébayor pour sauver l'honneur. Et c'est dedans. Encore 3 buts. Encore 3 buts à remonter pour le Togo. Chéhi qui réduit le score. À la 25e minute de la deuxième partie.
70e minute, donc réduction du score pour le Togo. Wamedové pour Floyd Haïté. Floyd Haïté, il va passer, il est passé. Il n'y a rien, il dit que le premier assistant, ça date. Donou. Les Guinéens qui vont temporiser. C'est de retrouver de l'autre côté un partenaire. Puis avec Genda Konan. Il va commettre la faute. Coup franc pour le Sili national. Attention à ce Guinéen, Conté, le centre au troisième poteau. Ça va être un élément 5-50 pour les éperviers. Seyi Adebayo, Seyi pour Floyd. Floyd essaie de trouver Seyi. Wamedové. La frappe de Wamedové au-dessus de la barre transversale. Largement au-dessus de la barre transversale. Wamedové qui aurait peut-être pu contrôler le ballon. Et il a frappé en force. Ce n'était pas cadré. Et ça va être un dégagement pour Yatara Moussa. Les Guinéens, la frappe de Fodé, il ne pourra pas, mais il a le ballon dans la surface de réparation. Ameva Mauna. Tanguilé doit impérativement procéder au dernier changement. Tenter le tout pour le tout, faire entrer un attaquant. Il y a Jonathan Haïté qui est sur le banc. Seyi Adebayo. Seyi pour Sekwefia. Prince Sekwefia. Et ça va être un corner. Le corner. On est reparti. Wamé, Floyd Haïté. Genda Konan, ça date. Genda Konan, non. Il faut construire Genda Konan. Les Guinéens qui vont opérer deux changements coup sur coup. Avec l'entrée, j'allais dire, de Bangoura, Ismaël. Mais en attendant, c'est le dégagement donc de Yatara Moussa. Genda Konan. Au fond du cinéma, c'est Guinéen. Les esprits qui se chauffent un tout petit peu. Et tout le monde s'est calmé. Le coup franc rapidement joué pour la défense guinéenne. Sila, Ameva. Et
Conte sourit. Conte, il va essayer de retrouver un partenaire. Pogba Florentin. Les Guinéens, ils ont le ballon. Ils essaient de temporiser, de casser les ardeurs de Togolais. Les voilà déjà dans le camp Togolais. Souma Seydouba, aux prises avec Akoliko Sadat, à qui il donne le vertige. Ballon toujours dans la défense guinéenne. Et l'arbitre qui a décelé une irrégularité. Deux changements dans le camp et guinéen. Et le Togo qui a encore un changement à faire. Mais le coach annulé, qui ne se décide pas à faire ce troisième changement. Mettre du 109, pourquoi pas, pour finir le match en force. Il est en train de faire des petits calculs, alors qu'on revoit donc au ralenti cette action guinéenne et la faute de ce joueur guinéen. Souma Seydouba. Bangoura Ismaël qui va prendre la place donc de Souma Seydouba. Améva. Pour faire au profit des éperviers, les minutes qui s'égrènent et la Guinée qui file vers une victoire, une précieuse victoire. La frappe de Cheyé n'était pas cadrée, mais avant ça, le premier assistant avait levé son drapelé pour signaler une irrégularité. Il y avait un peu et le coup franc de Yatara Moussa. La touche pour Donou. Il veut Akoliko Sadat. Balle en profondeur, il descend de la tête pour Cheyi. Cheyi qui essaie de trouver Seligakpe. Seligakpe, il va profiter de l'entrée de tous. Sebefia, Wome. Améva. Il sera le premier sur cette balle et qui va servir un adversaire. Et Donou Kokou. Donou pour Améva. Améva qui se dégage. Il s'est trouvé Wame. Mauvais contrôle de Wame Dové. Il va quand même récupérer le cuir. Et le perdre à nouveau. Il faut que quelqu'un rappelle à Tianile qu'on a encore un changement à faire. Apparemment, il a oublié. Il est togolais. Dakpé, il ne pourra pas récupérer. Ça va. C'est de ce joueur guinéen qui a vu un peu la sortie du Golongi sans Yao. Il a essayé de le lober. Mais il n'a pas pu. Et c'est la défense togolaise qui va repartir. Bouffia, Saba Alban, essaye de trouver Cheyi là-bas. Cheyi, est-ce qu'il pourra récupérer? Voilà qui est fait. Cheyi qui est parti. Oh là là, Cheyi Adebayo, il s'est mélangé un peu les pinceaux. Et ça va être un dégagement assez mince.
Togolais dans le long central. Ballon pour la Guinée. Et ça va être directement pour Nguissaya. Quatre buts à 1. Et les Éperviers vont tenter de repartir. Achei qui est complètement esselé dans l'attaque. Amevor. Et ce serait donc une touche au profit du Sélection national de la Guinée. Et qui gère lentement sa victoire ici au stade de Kégué. Saba qui a tenté de trouver Floyd Haïté, mais n'a pas su récupérer le cure. Et ce qui va profiter aux Guinéens et qui repartent. Amevor. Alors que les Guinéens opèrent encore un changement. Le numéro 2 Guinéen, Yattara Mohamed. Et qui va rentrer. Et le jeu se poursuit. Donou. Vous devez tenter de trouver Serge Gakwe. Mais qui rate sa récupération. Les Guinéens vont repartir. Attention au cinquième but. Et ce sera une position d'enjeu. Position d'enjeu donc pour les Guinéens. Yattara Mohamed. Yattara Mohamed. Qui rentre en lieu et place de Silla Idrissa. Amevor. Saba. Gen. La récupération est toujours togolaise. Roi Koriko Sadat. Un long dégagement. On va tenter de trouver Floyd Haïté. Amevor, Oura Koriko Sadat, Urusei, Urusei qui n'a pratiquement rien pu faire sur cette action. Et les Guinéens vont repartir. Oura Koriko, calmement pour son portier, Nguissa. Donou, Oura Koriko. Attention, il s'amuse avec le feu. On a tenté de trouver Chey. Et ce sera donc une touche. Haïté Jonathan. Haïté Jonathan. Ouais, décidément. Les Guinéens ont toujours créé des problèmes au Togolais. On se rappelle au niveau des cadets. Les Togolais s'étaient inclinés par 3-0. Et aujourd'hui, c'est au tour des seniors de subir le même sort. 4-1. Jonathan Haïté, qui est rentré donc pour les dernières minutes de ce match.
Mercredi, le Togo sera au Ghana, plus précisément à Tamale, pour la dernière journée. Et face au Ghana qui a été battu 1-0 par l'Ouganda, ce serait compliqué pour les éperviers, alors que les Guinéens, heureusement que le portier Ndissan était sur la bonne trajectoire, sinon on devait assister au cinquième but. Le corner qui va partir. Le corner est parti. Ndissan qui boxe le cuir. Chey obligé de revenir à la défense. Chey. Pas de partenaire pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a trouvé Serge. Serge Gakpé. Womé Dové. Personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Seul. Et face au défenseur guinéen, il n'a rien pu faire. Et ce sont les Guinéens qui calmement vont repartir. Ce serait donc une touche pour le Sili National qui a passé un après-midi très à l'aise, très agréable ici au Stade Kédé. Les éperviers qui s'inclinent donc par 4-1. Une véritable humiliation ici au Stade Kédé. Le public qui commence donc à quitter le stade, complètement déboussolé, abattu, déçu par ce score de 4-1. Longue balle, on a tenté de trouver Chey. Womé Dové a été Jonathan. Bonou pour qui? Personne. Il sera donc une sortie de but pour le Sili National qui mène par 4-1. Yattara Moussa, long dégagement, qui a tenté de trouver Bangoura. Chey qui rate complètement sa tête. Serge Den. Calmement pour le portier Yattara Moussa et qui a passé un agréable après-midi ici au Stade Kédé avec un but seulement encaissé. Ndissan pour Amevor. Dean pour Jonathan Ité qui va bénéficier d'une touche alors qu'il ne reste que 3 minutes de temps additionnel ici au Stade TV. 3 minutes pour les éperviers de tenter d'égaliser. Alors que les Guinéens repartent
Attention au cinquième but. Ndissan qui se dégage. Un dégagement qui n'a pratiquement rien donné. Un long dégagement. Jonathan. Il n'a pas d'opportunité. Il s'est rabattu sur Jim. Jim. Pour Amebo. Amebo qui s'est repris sur Jim. Alors qu'il y a un joueur guinéen sur la pelouse. Et l'arbitre arrête momentanément la partie. Terminé ici au stade de Togo. Le Togo qui a subi une véritable humiliation. 4 buts à 1 devant le Sili National de la Guinée qui s'est donc relancé et qui occupe pour le moment la deuxième place. Troisième Ouganda avec 7 points également. Et bon dernier le Togo, 6 points. Le Togo qui va se déplacer à Tamale pour la 6e et dernière journée. Dernière cartouche des Togolais, Romé Dové. Serge Diakoué. Le pied de Jonathan qui n'a pratiquement rien donné. Et c'est la fin. La fin ici au stade de Togo. Avec la large victoire du Sili National sur les éperviers du Togo. Alors dans ce groupe, le classement est le suivant après la 5e journée. Le Ghana est en tête avec 8 points. L'Ouganda et la Guinée suivent avec 7 points chacun. Le Togo est 4e avec 6 points. Il va falloir donc aller chercher la qualification mercredi à Tamale face au Blastar du Ghana, j'allais dire. Il faudra nécessairement gagner à Tamale. C'est fini donc pour ce soir. On se donne rendez-vous très prochainement sur la TVT pour le tournoi de Lyon-Moi, voilà, qui va démarrer donc samedi prochain au stade municipal de Lomé. En match d'ouverture, on aura donc Togo-Mali. C'est à 15h. À samedi.